Commencer une tâche sans savoir où aller ni quoi faire, tu l'as déjà vécu, c'est frustrant. Et cela représente une perte de temps et donc le chiffre d'affaires importante. Autant qu'entrepreneur, les outils sont excellents moyens de faciliter l'exécution de tâches et d'établir un process plus clair. Créer du contenu est chronophage, que ce soit pour diffuser sur les canaux de communication ou l'utilisation dans sa stratégie de marketing. Et donc, dans ce tutoriel, je vais vous présenter 4 outils indispensables pour réaliser vos contenus de qualité et très efficaces à toute épreuve. Donc, restez branchés jusqu'à la fin. Sans plus tarder, on va commencer par l'Inscase iPhone. Déjà, je suis nul, il ne sait pas sponsoriser ce tutoriel. Donc, l'Inscase, là, ça permet en fait d'augmenter la capacité d'améliorer encore la vision. La vision de vos smartphones de différents angles. Ce truc-là, c'est en fait, c'est disponible. En fait, par rapport à ce tuto, juste à utiliser l'iPhone 11. Mais cela dit, c'est disponible pour tous les smartphones qui existent actuellement sur le marché, que ce soit iPhone 12 Pro, que ce soit iPhone 11, que ce soit iPhone 14, que ce soit 13, que ce soit machin, bref, tout. J'ai utilisé juste iPhone 11 pour illustrer. Donc cela n'est pas dire que non, c'est juste pour les iPhones, nous qui sommes sur de Galaxy. Non. Déjà, il y en a pour Galaxy S24 Ultra et toutes les formes de Galaxy aussi. Donc en gros, c'est pour tous les smartphones sur le marché actuel. Donc ces trucs, le but, c'est pour améliorer les angles de capture de photos, de vidéos, tout ça là. Prendre différentes formes d'optique, c'est-à-dire de focalisation, de large spectre. Et l'outil est vraiment accessible à n'importe qui et de partout. Pour le moment, pour la plupart, comment ça se passe sur Amazon et autres. Toutefois, j'allais laisser des liens dans la description pour vous faciliter la tâche. Mais je ne veux pas faire des affiliations parce que pour la plupart que vous êtes là, vous savez déjà ce qui se passe normalement là-dessus. Donc le gros, le gars, le mec, on va aller rapidement sur ça. On commence rapidement ce que je vous dis. Là, c'est sur la 5K qui va améliorer la capacité de filmage, qui va améliorer la capacité de vision de votre smartphone. Et cela s'ajoute encore à l'accessibilité. Cet outil est tellement facile. C'est pas encombrant. Ça va pas grossir vos smartphones, je sais pas, de 3 à 4 cm de plus. Non, c'est fait à la silicone. Et la silicone, vous savez, c'est facile, c'est léger. Ça permet aussi de protéger votre smartphone en cas de choc ou quand ça tombait. Et comme voilà. Donc, pour vous voyez comme ce mec l'a entretisé, ça pouvait faire des captures à haut degré. Donc, différents angles. Non, c'est sûrement quelque chose de très, 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 très fort qui est là-dessus. Donc, allez-y, achetez ça. Utilisez ça pour la résolution de vos tutoriels, la qualité d'image, très bon, haute définition, haute résolution, jusqu'à 4K, 5K. Et c'est disponible sur Amazon, sur AliExpress. Vous pouvez passer vos commandes comme vous voulez, quand vous voulez. Et j'insiste encore sur la question parce que je ne voudrais pas trop répondre à des questions genre, mec, ben quoi, c'est juste pour les iPhones ou quoi? Non, 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 non. Là, je redis encore, ce n'est pas que pour les iPhones. Techno, Galaxy, Pixel 8 Pro, ça soit un Pixel 6, 7, je sais pas, ça soit même le iPhone, le Unifer, tout, enfin tout marque de smartphone, Huawei, tout ça là, vous pouvez acheter les gars, vous pouvez acheter, même pour vos caméras, ah oui, même pour les caméras, ça existe, vous pouvez en avoir en tout cas pour toutes les marques de smartphones qui sont sur le marché, donc là je vais pas trop tarder là-dessus parce que les trois qui restent, les mecs, vous n'avez pas raté ça. D'ailleurs, je vous ai réservé un tout un petit bonus à la fin. Donc, regardez là jusqu'à la fin. Regardez ce tutoriel jusqu'à la fin pour rien manquer. Et donc, on va passer rapidement sur le deuxième outil. Ce deuxième outil que je vais placer ici, il s'agit d'un disque dur externe. Pour ceux qui réalisent des tutoriels de façon bizarre. Donc là, on va rapidement sur ça. On va aller rapidement sur le deuxième outil de la deuxième outil de surtout, il s'agit de ce disque dur, les SSD là ici. Alors, il s'agit des SSD, le mini en fait, parce que là, s'il s'agit d'un disque dur externe, mais mec, ça, c'est un truc de ouf, quoi. Il a une capacité de stockage, sa vitesse est deux fois tout ce que vous savez, ça va jusqu'à 200 000 mégas. Et sa capacité de stockage à lui-même, il y en a actuellement sur le marché, un peu beaucoup plus, puisqu'on trouve de 1 jusqu'à 4 teraoctets. Donc, vous pouvez avoir un truc de 4000 gigas, vous imaginez? Donc, pour vous qui réalisez des tutoriels, des zones hyper, hyper chaudes là, vous pouvez faire ça dans l'eau, dans quoi, partout vous allez, c'est robuste, le pas souci de conservation. Déjà, c'est fait à travers des machines trucs recyclées. Donc, pour ceux qui protègent l'environnement, ouais, pas de souci, c'est pas du plastique, genre comment là, non, c'est recyclé, c'est recyclé. Actuellement, sur l'Amazon, on trouve ça à 59,25 $. Bon, avec le frais d'expédition, bien sûr. Avec le frais d'expédition, il s'agit bien sûr. Et donc, le mec, ça, c'est un truc de ouf, 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 quoi, pour vous. Alors, en troisième place, les gars, dans ce classement, on va trouver rapidement Vanzi, qui est un produit tellement nouveau sur le marché et amélioré par rapport au Snow Void. En fait, c'est l'entreprise qui a fabriqué ce machin. C'est en fait tout ce l'anneau. Bag, anneau, tout
tout ce que vous voulez, mais c'est télécommandé. C'est un truc super, super, super cool. C'est un produit qui précède Vinzy plus précisément. Et en fait, c'est télécommandé par des gestes. C'est un truc de ouf, quoi, mec. La reconnaissance est possible. Des nouvelles fonctions et équipements. Présent environnement. Métaversal, en fait. C'est un truc de ouf, tout ce que vous allez faire, en fait, par rapport au classement. Déjà, je vous ai rappelé, moi-même, si je n'en parle plus de détails, tout ça. Il y a trois modules polyvalents. Le tout premier, qui est tout petit, que je tourne ici tout par rapport, c'est le mode Air Pulse. Vous portez juste le bague sur votre doigt lorsque vous voulez effectuer diverses activités, contrôler votre appareil à longue distance et à tout moment, n'importe où, quoi. C'est-à-dire, vous êtes en train de tourner un tutoriel, votre écran est passé là-bas par rapport au trépied que j'ai à faire un autre tuto là-dessus, et donc vous avez votre disque dur, vous avez tout ce qu'il faut, et vous voulez de temps à autre changer de fréquence, ou bien revenir en arrière, augmenter le volume, faites capture, et faites une pause, je sais pas comment. Tout ce que vous allez faire, c'est à travers ce petit truc. Donc vous allez contrôler ça à distance. Ça vous permet également de contrôler vos appareils par un geste. Il existe de 7 gestes prédéfinis qui peuvent exécuter vos commandes préférées. Enfin, l'algorithme en question est automatique, mais ça apprend aussi. Ils peuvent apporter votre geste privilégié pour permettre d'utiliser le contrôle. En gros, ce que je veux dire par là, c'est juste que ces trucs, au fur et à mesure que vous utilisez, ça s'améliore. Enfin, c'est un IA en fait. Ça améliore en fonction de vos utilisations habituelles et puis maintenant commencer à vous proposer des gestes. Vous pouvez contrôler votre smartphone, vous pouvez contrôler votre ordinateur, vous pouvez contrôler votre smart TV, vous pouvez contrôler quasiment beaucoup de choses avec ce bague, le gars. C'est un truc de ouf. C'est disponible sur Amazon, AliExpress. Vous allez là-bas, vous allez commander. Vous aurez votre livraison à domicile. Donc avec cet anneau, le mec, c'est fait pour nous les fainéants, quoi. Vous avez votre smartphone, je sais pas, Smart TV qui est au Colombie, il commande un peu loin de vous. Si vous avez un petit pour appeler, gamin vient me donner ce machin truc. Bon, vous ne serez pas fait tous ces têtes-là. Vous avez votre bague à la doigt. Donc tout ce que vous allez faire, c'est un petit clic, mais voilà. Vous allez changer de chaîne, vous allez faire de l'enregistrement, vous allez voir tout ce que vous pouvez voir, les mecs. C'est un truc. Donc c'est un truc de fainéant, comme je vous disais. Besoin de vous détendre avec un jeu de vidéo, vous faites un voyage dans le jeu virtuel, dans les casques de réalité augmentée, tout ça là. Et il y a des fois, c'est l'ennui avec les casques virtuels, tout ça là. De mon côté là-bas, tu contrôles pratiquement rien. Or, Vinzy, vient là avec cet anneau là entre vos doigts. Tic-tac, vous changez de direction. Peut-être que vous voulez faire un peu de lecture dans la soirée. Je suis de web, vous avez des blogs où vous consultez souvent des informations en ligne, tout ça là. Mais à des fois, l'ordinateur est sur la table, vous êtes déjà allongé sur le lit, contrôlez ça à distance. Ouais, il est vrai que vous pouvez utiliser des souris sans fil. Bah, c'est quand même gros, non? Au lieu d'apporter juste un petit bague au doigt. Et vous pouvez contrôler quasiment tout. Ordinateur, téléphone, smart TV. Il y a des moments où ça va même très loin, les mecs. Là, ils sont sur le point de bosser sur un truc où vous même aller jusqu'à la mettre dans la conduite comme Tesla. Et donc, pour finir, voici pour vous un Anker Mag Go Power Bank. Une capacité de 10 000 mAh. Une défense de 15 watts. Compatible avec le MagSafe certifié par le QIA2. Avec affichage intelligent et fiable. Pliable pour l'iPhone, câble, tout ça. En fait, en gros, ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne, les chargeurs, pardon, ou bien des batteries, en gros, ce sont des chargeurs magnétiques, en fait. N'utilisent pas des câbles, vous avez fatigué juste par des câbles, toutes ces histoires-là. Il n'y a pas de problème, le mec. Restez nickel. En fait, moi, c'est Alex, pour ceux qui ne savent pas encore. Et là, nous sommes sur Your Phone. Donc, restez nickel, les gars. On va aller rapidement sur ça jusqu'à la fin pour que vous ayez tout ce qu'il faut. Donc, pas de souci. Vous êtes là sur ce machin, truc-là, super classe. Ce meilleur parmi les chargeurs sans fil qui existent actuellement sur le marché, une capacité de 15 watts, le mec. Il part de 0 à 50% en 44 minutes seulement. Donc, c'est un super rapide. Donc, on va supposer quelque chose de sans fil. Là, vous avez besoin de ça, balader avec ça. Là, vous voulez aller faire vos tutoriels dans la forêt, dans, je sais pas, dans le mardou, tout ça. Là. Voici ce qu'il vous faut. Oui, c'est vrai, il y a des spécificités sur ça. Il accepte pratiquement pas toutes les smartphones qui existent sur le marché actuel, mais croyez-moi, il y en a pratiquement tout pour tout. Il marche actuellement beaucoup plus mieux avec iPhone 15, mais ouais, je vous l'ai dit encore là-dessus, sur tous les smartphones, vous pouvez vous trouver tout ça. Et donc, pour votre bonus, comme je vous ai prévenu, du fait que vous êtes resté jusqu'à là, voici donc pour vous In-Ears Lina. Téléphone à 4 Go illuminé avec un dos transparent. Ah oui, les gars, nous sommes sur un truc de ouf là, mec. Ouais, c'est vrai que ça coûte un peu maintenant. Sur le moment, sur le marché, vous pouvez trouver ça jusqu'à 249,99 centimes. En fait, c'est en dollars, bien sûr. Bah ouais, quand même, ça vaut la peine. Smartphone à 4 Go, mec. Deux lumineux. Transparent. Ouh là 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 là, c'est un truc de ouf. Regarde un peu comment ça se passe là, mec. C'est un peu de voir.
Ouais, c'est ce que je voulais vous présenter en bonus. C'est vraiment, c'est un truc super, super classe. La dernière mise à jour, ça s'est passé il n'y a pas longtemps. Mise à jour de conception de produits. On a dit mise à jour de conception de produits. Nous sommes. Non, mise à jour de conception, blablabla, tout ce qui va avec. Donc, les gars, voilà, là, maintenant, je crois que nous sommes arrivés presque à la fin de ce tutoriel. Parce que tout ce qui reste, c'est juste une question qu'ils ont passé l'ancien matériau lumineux avec un nouveau qui est encore plus performant que l'autre. Donc, voilà, nous sommes pratiquement à la fin de ce tutoriel. Merci d'avoir regardé jusqu'à là. Donc, je vous remercie, vous retrouvez très prochainement dans le nouvel tutoriel. Et dites-moi un peu en commentaire si vous aimeriez ce qu'on puisse avoir des vidéos séparées, c'est-à-dire sur chacun de ces tricks, commençant par l'ESCAS, SS10, la scie, et puis sur le bac télécommandé. Si vous aimeriez avoir des tutoriels complets sur chacun de ça, comment utiliser ça, comment en avoir, et puis voilà, demain que je ferai un tutoriel, je serai ravi d'en faire. Parce que vous savez, nous sommes sur Alex Your Phone où nous apprenons à utiliser nos smartphones de façon plus améliorée. Et encore qu'il y a des gadgets qui nous accompagnent pour faire tout ça là. Ils sont encore super, super, super chouettes. Donc abonnez-vous, likez, partagez pour aider les autres aussi à savoir tout ce qui existe actuellement.